L'histoire que je vais vous raconter montre combien il est souvent difficile d'attirer l'attention de nos prestataires. Soit ils sont occupés par leur travail, soit ils sont brefs avec les nombreux visiteurs qu'ils voient au quotidien. Cependant, la patience et la détermination doivent rester nos compagnons en raison de la noblesse de notre travail. Laissez toujours un prospectus, un contact qui peut sauver une vie. Laissez un message, quelles que soient les circonstances qui se présentent. J'arrive dans un centre de santé communautaire d'Abidjan où je trouve une sage-femme et une étudiante sage-femme. La sage-femme principale est très occupée et ne consent pas à me rencontrer. J'ai donc utilisé mon temps pour discuter avec la stagiaire sur la prévention et le traitement de l'hémorragie du postpartum avec le misophème comme solution. Une semaine plus tard, je retourne au centre pour discuter à nouveau avec la sage-femme, en espérant que cette fois-ci, elle trouvera du temps pour moi. Je frappe à la porte de la salle d'accouchement. J'entends une voix. « Qui est-ce ?» J'ai répondu. « La représentante de l'AMIU, du stérilé et du misophème. » J'ai entendu des cris de joie. « Soyez la bienvenue, déléguée médicale. » La sage-femme ouvra la porte en déballant un pagne qu'elle posa au sol comme un tapis rouge déroulé. « Venez, marchez là-dessus, » dit-elle avec sincérité. « Vous m'avez sauvée, déléguée. Merci. » J'étais très émue. Je lui ai demandé de me raconter l'histoire. Elle a commencé. Je suis reconnue ici comme une sage-femme qui gère très bien les cas d'hémorragie en salle d'accouchement. Mais un jour, j'étais désespérée, désemparée. Ma patiente se vidait de son sang. Mais heureusement, ma stagiaire était là et elle vous avait écouté. Elle s'est alors référée à la procédure dont j'avais parlé à sa stagiaire, sein comprimé par voie rectale, et c'est comme si je rêvais. Je venais de sauver la dame. J'avais les larmes aux yeux. J'étais choquée. Elle m'a encore remerciée. Moi aussi, j'ai été heureuse d'avoir participé à sauver cette vie. Elle me recommande également à certains clients. Nous sommes devenus de véritables partenaires. J'ai été heureuse de sauver la vie de cette jeune fille qui avait subi un avortement clandestin qui a mal tourné.